Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a reçu mercredi son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier en visite dans la région. Déplorant la situation à Gaza, le chef de l'État égyptien a exhorté la communauté internationale, en particulier l'Europe, à agir pour alléger les souffrances des Palestiniens. De notre côté ici en Égypte, nous sommes toujours désireux de jouer un rôle positif, que ce soit avec les Palestiniens, le Hamas en particulier, en coopération avec les Qataris et les États-Unis, mais l'Europe pèse lourd dans la balance. Il est très important dans cette phase critique d'exercer une pression supplémentaire afin de parvenir à un accord qui assure la stabilité et allège la lutte des Palestiniens dans la bande de Gaza. La guerre a causé d'énormes destructions et déplacé environ 90% des 2,3 millions d'habitants de Gaza, parfois à plusieurs reprises. El-Sissi a dénoncé l'usage de la famine comme arme dans le conflit entre Israël et le Hamas. La famine dans la bande de Gaza est utilisée comme une arme contre les Palestiniens. C'est une question très dangereuse qui a un grand impact dans la crédibilité des idées et des principes liés aux droits de l'homme dont nous parlons depuis des années. Il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'homme au vu et au su de tous. L'Allemagne est un allié fidèle d'Israël et la visite du président Steinmeier est la première d'un chef d'État allemand en Égypte depuis près de 25 ans.